Isaïe 53, verset 1 à 6. Isaiah 53, from verse 1 to 6. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Dis amen. Say amen. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. He carried us suffering. Continue. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. He carried our sufferings. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Wounded for our sins. Brisé pour nos iniquités. Il était brisé pour nos iniquités. Stricken for our iniquities. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Excitement that brought us peace fell upon him. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. By his wounds that we are healed. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. By his wounds we are healed. Et c'est par ses meurtrissures que tu es guéri. By his wounds we are healed. Et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. And through his stripes you are healed. Proclame-le. Proclaim it. C'est par ces maîtrissures que je suis guéri. C'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Urabaka, urabaka. Dis au nom de Jésus. In the name of Jesus. Le pardon de mes péchés. The forgiveness of my sins. Et la guérison de toutes mes maladies. And healing of all my diseases. Sont au centre du programme divin de rédemption. In the center of the divine program of redemption. Dieu l'a prévu. God planned it. Bien avant la fondation du monde. From the foundations of the world. Que tous mes péchés et toutes mes maladies. And all my diseases and my seront portés par Jésus. Carried by Jesus. Continue à prier. Continue to pray. Exalte Dieu qui a rendu ça possible. Exalt God who made that possible. Dieu qui a pensé à toi. God who thought about you. Dieu qui a pensé à nous. God who thought about us. Dieu qui a planifié notre pardon. God who planned our forgiveness. Dieu qui a planifié notre salut. God who planned our salvation. Dieu qui a planifié notre guérison. God who planned our healing. Oh, Dieu a planifié notre guérison. God planned our healing. Oh, Dieu a planifié notre guérison. God planned our healing. Ora bakashoro bakashara bakashoro bakashara baka ora bakashara bakashara baka ora bakashara 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 ore bakasakara bakaseka ore bakare bakase bakasam ora bakasere bakasaba bakaraba. Dis, je proclame. I proclaim. Quand Jésus, that in Jesus, je suis pardonné forgiven, et je suis guéri. I am healed, je suis pardonné forgiven, et je suis guéri. En Jésus-Christ de Nazareth, Nazareth, mort à la croix du calvaire, dead on the cross of Calvary, je suis pardonné forgiven, et guéri. Healed, 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 et nous sommes pardonnés et guéris. Nous sommes pardonnés et guéris. Des maladies. Tu as les oreilles. Écoute. Listen. Écoute. Listen. Tu ne dois plus habiter en moi. No dwell in tu ne dois plus habiter mon you corps. Dwell in my body. Jésus t'a enlevé. Jesus took you away. Jésus t'a ôté. Jesus, Jésus t'a enlevé. Jesus took you away. Tu ne dois plus être là. You must tu ne dois plus être là. You must selon les desseins de Dieu. Tu dois quitter God. Maintenant. You must leave tu now. Dois quitter maintenant. You must leave now. Maladie. Disease. Quel que soit ton nom. No matter your name. Même si on s'est trompé de nom. Même si on s'est trompé de diagnostic, tu dois partir. Tu dois partir. Tu dois partir. Tu dois partir. Va-t'en. Quitte mon corps.
body. Quitte ma vie. Quitte my life. Jésus, Jesus, a porté mes maladies à la croix du calvaire. Jésus a porté toutes mes maladies, toutes les maladies, toutes les maladies à la croix du calvaire, à la croix du calvaire. Cancer. Tu ne dois plus être là. Va-t'en. Va-t'en. Diabète. Tu ne dois plus être là. Va-t'en. Nous te chassons avec tous les esprits qui sont derrière toi. Hypertension artérielle. Nous te chassons. Nous te chassons avec tous les esprits qui sont derrière toi. Au nom de Jésus-Christ. Insuffisance rénale. Insuffisance rénale. Va-t'en. Avec tous les démons qui sont derrière toi. Insuffisant rénal. Insuffisant rénal. Insuffisant rénal. Insuffisant rénal. Va-t'en. 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 Cancer. Va-t'en. 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 Hépatite. Toutes les hépatites. All the hepatitis. Mélangées, confondues. Partez. Vous êtes vaincus. Jésus vous a enlevé de mon corps. Je vous ai enlevé de mon corps. Je vous ai enlevé de mon corps. Prions en langue. Atrose. Tu es jugé. Va-t'en. Jésus t'a enlevé de mon corps. Les mots d'articulation. Les mots de genoux. Les articulations de mes bras. De mes pieds. Vous êtes vaincu. Partez. Jésus-Christ vous a porté à la croix pour me libérer. Pour me libérer. Continue à prier là. Ulcères. Va-t'en. Tu ne dois plus être là. Hémorroïdes. 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 Disparais. Fibroid. Partez. Begone. Partez. Begone. Partez. Begone. Partez. Begone. Partez. Begone. Partez. Begone. Nous vous arrachons. We snatch you. Et nous vous jetons dans les abîmes. And we throw you in the abyss. Vous ne devez plus être là. You must not be there. Vous ne devez plus être là. You must never be there. Maladie. Disease. Et toute l'armée des ténèbres. Derrière les maladies, nous vous jugeons, nous vous chassons. Jésus a réglé le problème par sa mort à Golgotha. Pourquoi voulez-vous rester? Why do you want to stay? Partez, partez. Be gone. Les myomes et les fibromes. Myomes and fibroids. Nous vous raclons. Les maladies de la peau. Disease of the skin. Nous vous arrachons. We uproot you. Nous jetons dans les abîmes. And we throw you in the abyss. In the name of Jesus. Asthma. Asthma. Et tous les troubles respiratoires. And all respiratory partez,
partez, partez, partez, partez, partez, partez, partez, partez, partez, partez, partez, partez, partez, partez, les maux de tête chroniques, maux de tête chroniques, vous êtes jugé, partez, partez, au nom de Jésus, in the name of Jesus Christ, toutes sortes de mal dedans. And all kinds of toothache. Partez. Be gone. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que tous les dents soient guéries. And all the maladies de la gorge. Be healed. And all maladies de la gorge. Diseases of the throat. Nous chassons. We cast you out. Partez. Be gone. Et tous ceux qui ont mal aux oreilles. And all those who have pain in their ear. Ceux qui ont mal aux oreilles. Those who have pain in their ear. Toutes les maladies des oreilles. All the diseases of the ear. Vous êtes condamnés. You're condemned. Partez. Be gone. Et que tous ceux qui entendent mal entendent bien. And all those who do not hear properly hear clearly. Les yeux. And all the diseases of the eye. Cataracts. Et toute autre maladie des yeux. And all the other diseases of the eye. La cécité. Que les yeux qui ne voient pas voir. Let eyes that do not see begin to see. Let eyes that do not see begin to see. Les oreilles qui n'entendent pas. Let all the ears that do not hear begin to hear. In the name of Jesus. Prions à la karama. Karama la kasema karama la kashiga. Ora bakale bakara bakase karama kase kama. Bakasere bakashara baka ure bakara maseme kere dalta rabakasima ure bakara maseri kareka ure bakara maseri kareka ure bakara maseri kareka ure bakara. Que la colonne vertébrale tordue se redresse. Let all twisted vertebral column be redressed. Que la colonne vertébrale tordue se redresse. Let all twisted vertebral column be redressed. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Ure bakajur bakagobajur bakagobajur baka ure bakajur bakarakajur baka. Que tous ceux qui ont des lésions au cerveau soient guéris. Let all those who have lesions in their brains be healed. Que tous ceux qui ont des lésions au cerveau soient guéris. Let all those who have lesions in their brains be healed. Que tous ceux qui souffrent d'épilepsie soient guéris. Let all those who suffer from epilepsy be healed. Soient guéris. Be healed. Soient guéris. Be healed. Que tous ceux qui sont dépressifs soient guéris. Let all those who are depressive be healed. Tout esprit derrière la dépression soit jugé. Depression be judged. Dis démon. Say demon. Vous tous démons. All of you. Derrière les maladies. Behind diseases. Si tu es démon. If you are a demon. Et si tu sais que tu as des rapports avec la maladie. And you know that you have any ties with the disease. Des rapports rapprochés ou éloignés. Partez maintenant. Near or far. Be gone. Partez maintenant. Be gone now. Partez maintenant. Be gone now. Partez maintenant. Be gone now. Partez vite. Gone. Quick. Partez. Be gone. Partez. Be gone. L'armée des ténèbres. The army of darkness. L'armée des ténèbres. The army of darkness. Derrière la maladie. Behind diseases. Partez. Be gone. Tous les enfoutements. All bewitchments. Tous les enfoutements. All bewitchments. Qui ont apporté la maladie dans la vie. Brought in diseases. Nous brisons. We break. Ces enfoutements. This bewitchment. Nous libérons les captifs. We set the captives free. Que ceux qui ont été enterrés. Let those who be buried. Sortez des tombes. Come out of the tomb. Que ceux qu'on a mis dans les cercueils. Those who have been put in. Dans les cercueils spirituels. Que les cercueils soient cassés. Let the spiritual tombs be broken. Cassés. Cast broken. Que ceux qui sont enfermés dans les tours. And those who are hidden in holes. Tours spirituels. Spiritual holes. Et les forteresses spirituelles. And spiritual strongholds. Nous démolissons les forteresses. We demolish the strongholds. Nous démolissons les tours. We demolish the holes. Prisons. We break. Nous cassons et prisons les prisons. We break the prisons. Que les captifs soient libérés. And captives be set free. Et que les maladies qui étaient liées à cette captivité disparaissent. And all diseases tied to this captivity disappear. Disparaissent. Que les stériles. Let those who are barren. Les stériles. Those who are barren. Soient guéris. Be healed. Les stériles. Those who are barren. Hommes et femmes soient guéris. Man and woman be healed. Les stériles. Those who are barren. Hommes et femmes soient guéris. Man and woman be healed. Et tout homme. Let every man. Marié. Married man. Rendu impuissant par les démons. Who has been made impotent by demons. Délivré. Be delivered. 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 Pour
Let's pray in tongues. In the name of Jesus. Nous annulons tous les sacrifices. We cancel all sacrifices. Toutes les pratiques démoniaques. Every demonic practices. Tous les enchantements. All bewitchments. Toutes les divinations. All divinations. Tous les enfoutements. All bewitchments. Ayant pour but. The having as goal. D'envoyer un sort contre quelqu'un. To bring a disease against someone. Tous les démons qui ont été envoyés en mission. All the demons that have been sent on mission. Pour rendre et entretenir les maladies. To keep the diseases. Sois jugé. Sois jugé. Maintenant même. Now, qui se manifeste et qui part. Let them manifest themselves and se go. Manifeste qui part. Manifest yourself and go. Se manifeste et qui part. Manifest yourself and go. Nous poursuivons. We chase. Ceux qui se sont cachés dans les eaux. Those who are hidden in the waters. Que les eaux soient asséchées. Let the waters be dried up. Que les démons soient en dépendance. Let the demons go through a stampede. Qu'il n'y ait pas de repos. Qu'il n'y ait pas un lieu de repos. That there will be no resting place. Que ceux qui se sont réfugiés sous les arbres. For those who took refuge in trees. Que ces arbres soient brûlés. Let the trees be burnt down. Que ceux qui se sont réfugiés dans les ventres des reptiles. Those who took refuge in the stomachs of reptiles. Que ces reptiles soient éventrés. Let the reptiles be cut off. Il n'y a aucun lieu de refuge. There will be no place of refuge. À aucun démon de maladie. For no demon carrying disease. Aucun démon de maladie. No demon carrying disease. Continuons à prier en langue. Let's continue to pray in tongues. Gota rabasega rabakasanga. Gora bakasega rabakasanga rabakasanga. Opère ton miracle à moi. Operate your miracle in me. Visite le peuple de Dieu. Visit the people of God. Partout où ils se trouvent. Wherever they are found. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Et que la guérison soit donnée à chacun. And let healing be given to each one. Vient du ciel. Healing from heaven. Qui vient du ciel. Healing from heaven. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Que les boules disparaissent. Let lumps disappear. Que les boules disparaissent. Let lumps disappear. Que les menstrues reviennent. Let menstrues come back. Que les menstrues reviennent. Let periods come back. Que les menstrues reviennent. Let periods come back. Partout où elles ont été bloquées. Wherever they have been blocked. Que les menstrues reviennent. Let them come back. Que les menstrues reviennent. Let periods come back. Que les pertes de sang s'arrêtent. And let que les pertes de sang s'arrêtent. Que les pertes de sang s'arrêtent. Let blood au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que les pertes de sang s'arrêtent. Let loss of blood stop. Que les pertes de sang s'arrêtent. Let loss of blood stop. Que les pertes de sang s'arrêtent. Let loss of blood stop. Urabaka prions la kala baka. Let's pray in tongues. Urabaka la baka shara baka la baka shara baka. Urabaka shara baka shara. Urabaka shara baka shara. Urabaka shara baka. 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 Veuillez vous asseoir. Be seated. Viens, 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 viens. Faut pas le laisser partir. Placez vos chaises là-bas. Qui a constaté sa guérison? Who has noticed his healing? Viens, viens rendre témoignage. Come and give testimony. Si tu as constaté ta guérison, if viens you vite. If you notice your healing, come.
Si tu as constaté ta guérison, viens vite. If you have noticed your healing, come quickly. Tu vérifies. Check. On constate en vérifiant. We notice by checking. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Koudou Ange Didia, disciple de maman Margaret Lobé. Je voulais dire finalement merci à Dieu parce que tu m'as guéri d'une douleur de gorge que je sentais même depuis hier, puis la douleur aussi de bras. Je voulais dire finalement merci pour toutes ces douleurs que tu as levées de mon corps. Au nom de Jésus, amen. Acclamation à Jésus-Christ. Suivant, venez vite, vite. Next. Gloire à Dieu. Le Seigneur a beaucoup travaillé, beaucoup de guérisons. There are a lot of healings. Tu vérifies. Check. Si c'est les dents, tu touches. If it's your teeth, si c'est une hernie, tu pars vérifier. If it's a hernia, you check. You go and check. Oui, vas-y. Gloire à Dieu. Je suis le frère Ingesan. Je suis le disciple de Pasteur Morgan. Faut dire que je venais avec mes parents à Tiekwa. Ils étaient à Djebonoa. Il faut dire qu'à la rentrée à Tiekwa, lorsqu'on est arrivé, il y avait mes deux bras qui ont commencé à me faire mal. Ils ne pouvaient même pas soulever mes deux bras. Et j'ai dit à Dieu, si je puisse entrer à Tiekwa seulement, il y aurait la guérison. Et il faut dire, tout de suite qu'on faisait la prière, il faut dire qu'il a commencé à balancer mes deux bras. Je lui ai dit merci à Dieu pour la guérison qu'il m'a accordée. Que l'honneur, la gloire soit rendue. C'est amen. Amen. Acclamation à Jésus-Christ. Clap of friends to Jesus Christ. Suivant. Next. Regarde. Look. Là où le mal était. Where the pain was. Constate. Si c'est les genoux, tu bouges les genoux. Quand je venais à te quoi même, vraiment, je ne pouvais pas marcher. Mon bras, même, je ne peux pas soulever et puis faire descendre. Mais on est venu ce soir, papa a prêché là. Il nous a guéri là. Il dit toute douleur qui est dans nos corps là. Quand on trouve la guérison, en tout cas vraiment, maintenant je peux courir même pour aller jusqu'à où je veux. Bon, bras, même voilà, je soulève. Acclamation. Clap of free. Suivant. Next. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Marie-Loïs, disciple du pasteur Isidore. Lorsque je venais, je ne me sentais pas bien. J'avais mal partout et je ne pouvais même pas louer le Seigneur. Mais je sens une chaleur maintenant, je suis guérie. Acclamation. Je reçois l'honneur au Seigneur. Amen. Let's clap for the Lord. Suivant. Next. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Jacqua Emmanuela, je faisais des disciples de pasteur Marc. Il faut dire, avant de venir à Tiekwa, j'avais des douleurs vers mes oreilles et à ma gorge. C'était lié à ma gorge et mes oreilles. Mais lorsque je suis arrivée depuis hier jusqu'à aujourd'hui, j'ai constaté, hier, il y a la douleur même persistait. Mais depuis lors qu'on a fini de prier, je ne sens plus de douleur. J'ai été véritablement guéri. Au nom de Jésus-Christ, amen. Jésus a dit, Jesus said, qui m'a touché? Who touched me? Qui m'a touché? Who touched me? Ce n'est pas parce qu'il ne connaissait pas la personne. It's not because he did not know the person. C'est que la personne ne voulait pas parler. It's because the person did not want to speak up. Mais Jésus veut que tu glorifies son nom. But Jesus wants you to glorify his name. Qui a été guéri? Who has been healed? Même si ton cœur bat, tu trembles, ne crains pas. Even if your heart is beating and you're trembling. La prière n'est pas finie. Les témoignages font partie du combat. Donc quand tu es assis, tu restes et tu écoutes ce qui se passe en toi et sur toi. The prayer is not yet over. The testimony is part of the prayer. And you have to be quiet and listen to what is happening within you. Pendant que nous rendons témoignage, Dieu travaille dans la foule. As we testify, God works in the crowd. Dieu travaille dans la foule. God is at work in the crowd. Certains cas, on saura l'an prochain, pas maintenant. Some cases, we will know the results next year, not today. Une femme dont les trompes ont été débouchées ne saura pas ça maintenant. A woman whose tube has been unblocked will not know now. Mais la fièvre, le palu, but fever, les maux de tête, malaria, les maux d'articulation, joint pain, là c'est sur place. There it's on the spot. Un démon qui s'en va. A demon that goes away. Avec sa maladie. With his disease. Ça, c'est déjà sur place. That is on the spot. La parole de Dieu dit que Jésus est entré chez Pierre. Sa belle-mère était malade. Il l'a touché, l'a relevé et fut guéri.
that Jesus entered into the house of Simon Peter. The mother-in-law was sick. He touched her and healed her, and she stood up. Peut-être ne savait même pas que la guérison de la fièvre était importante. Maybe we did not know that healing from fever was important. Mais le Saint-Esprit a écrit ce témoignage. But the Holy Spirit wrote this testimony. Si ta boule a disparu, lève-toi et viens. If your lump has disappeared, stand up and come. Oui, parlez. Si les menstrues sont revenues, lève-toi et viens. If your period has come, stand up and come. C'est un miracle. It's a miracle. Oui, parle. Yes, speak. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Laetitia et mon faiseur de disciples, c'est le pasteur ici de Tanda. Depuis le premier jour du renversement, nous sommes venus. Lorsqu'il y a la louange, que je me mets au milieu de la foule, j'ai des vertiges. Quand on avance, que je veux bouger, j'ai des vertiges. À plusieurs reprises. Donc, lorsqu'il y a la louange, je n'aimais pas me mettre au milieu, j'aimais m'asseoir là. Même hier, à cause de ces vertiges, je ne voulais pas s'aimer parce que je me dis, il ne faut pas que je tombe au milieu des gens ici. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a permis de faire la louange même avec la foule. Avant que le ministère ne commence, quand les semeurs ont commencé à semer tout à l'heure, j'ai semé et je n'ai pas de vertiges jusqu'à présent. Donc, je rends tu grâce. Tu es guéri au nom de Jésus. Healed in the name of Jesus. Acclamation. Suivant. Next. Gloire à Dieu. Moi, c'est le frère Josué, disciple de Maman Ruth Conan de Guiglo. Je voulais dire merci au Seigneur de ce que le Seigneur m'a guéri des maux de tête et des maux de rein. Il faut dire que j'avais fréquemment mal à la tête depuis longtemps. Depuis longtemps. Et pendant qu'on priait, quand le pasteur a dit ceux qui ont des migraines chroniques, j'ai senti une forte chaleur au niveau de ma tête et c'était comme si quelque chose qui sortait par derrière. Et tout à coup, tout est passé. Et au niveau de mes reins aussi, j'ai senti la même chaleur. Et j'ai vu que j'étais guéri. Je rends gloire à Dieu. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Moi, c'est le frère Dieudonné. Mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Blaise à Souvray. Il faut dire que depuis hier, nous dormons sur le site. Pendant que je ramassais les bagages pour mettre à l'écart, j'ai été traversé par une flèche au niveau de ma poitrine. Et la douleur était tellement atroce que ça m'a immobilisé sur le champ. Et à peine j'ai déposé les choses, je ne pouvais plus bouger. Ça dit, je ne pouvais plus faire de mouvement. Et je me suis imposé les mains. J'ai commencé à juger. Après, j'ai vu deux de nos pasteurs. Je les ai demandé de venir m'imposer les mains. Et toute la matinée, au moment où on adorait le dimanche, j'étais immobilisé dans la chaise. C'est jusqu'au soir, le pasteur dans la prière, que j'ai ressenti effectivement la guérison, mais la douleur y était. Et tout à l'heure, tout ce que je ne pouvais pas vraiment faire de façon flexible, tout est parti. Et Jésus je vais rendre Christ. Toute la gloire au Acclamation Seigneur. Souvent. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je me nomme la sœur Kwame Akissi Yvette. J'ai pour faiseur des disciples, Maman Chimou Ange. Quand on venait ici, j'avais des maux de ventre. Tout le temps, je disais que c'était les plaies de ventre. Mais le samedi, Hier même, c'était douloureux. Jusqu'à je ne pouvais pas manger. Quand la nourriture tombait dans mon ventre, ça me faisait mal. C'était comme les aiguilles qui étaient dans mon ventre. Mais quand le papa a dit, posez les mains là qui vous fait mal, j'ai mis la main. Et depuis lors, j'ai été délivrée. Je suis tellement contente. Je veux être infiniment au Seigneur de m'avoir délivrée de ce mot de ventre. Jésus-Christ. Acclamation suivante. Gloire à Dieu. Des grandes acclamations. Great claps. Jésus-Christ. Si tu constates ta guérison, tu viens seulement. If you notice your healing, you come. Vas-y. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Jobari Akwa Dongo Pelagi. Mon faiseur de disciples, c'est Maman Dapa Akwa Julienne de Béthier. Je vais dire merci à Dieu. Il faut dire, quand j'entreprends un jeûne, je tombe malade. Et le palud, c'est le stress. Je me sens pas en moi-même. Il faut dire que hier, quand j'ai commencé le jeûne avant-hier, hier, la même chose a commencé. Aujourd'hui, quand j'étais là, je souffrais.
frère, je souffrais. Et j'ai prié que je renonce à ces démons qui me fatiguent quand je suis dans le jeûne pour m'empêcher de continuer que je romps. Oui, en tout cas, Dieu m'a délivré de ces démons-là. Je suis guéri authentiquement. Je ne ressens plus rien. Donc je dis merci au nom Jésus de Jésus. Christ. Amen. Parler en très peu de mots. J'étais mal, j'avais mal la tête. Jésus vient de me guérir. Very few words. I had pain here. God has healed me. Je suis la sœur Blaise Yasmine, disciple du pasteur Meunier Boniface. Je voudrais rendre grâce à Dieu parce que j'avais un problème d'oreille. Je n'arrivais pas à bien entendre. Quand le pasteur prêchait, je n'arrivais pas à bien entendre. Et tout à l'heure, quand on a prié, je crois que je me suis retrouvée au ministère de délivrance. Et quand ils ont prié, j'ai entendu une voix qui disait qu'on ne voulait pas qu'elle entende la parole de Dieu. Et ils sont partis. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour cela. Au nom de Jésus Christ. Acclamation suivant. Next. Gloire à Dieu. Je suis le frère Guéro Léonel. Mon fidèle disciple, c'est le pasteur Avril des Grands Attrées. Hier, quand je suis venu à la rencontre, j'avais mal au ventre. C'est comme s'il y avait des aiguilles sur mon côté droit. Et aujourd'hui, on était en train de prier. Pour me lever, c'était des difficultés. Et tout à l'heure, quand papa était en train d'insister, j'ai insisté avec foi. Et du coup, j'ai commencé à bâiller et j'ai pété trois fois en même temps, le mal a disparu. C'est pourquoi Jésus je suis passé Christ. Là pour dire merci à Dieu. Amen. Jesus Christ. Délivrance authentique, suivant. Genuine deliverance. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Boka Cynthia, mon faisait disciple, c'est maman Annick Goji. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a guéri tout à l'heure. J'avais très mal, tout mon corps me faisait mal. Et je priais dans mon cœur que papa ne nous conduit pas à la prière aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, visite-le, qu'il nous bénisse pour qu'on rentre pas. Je savais qu'on allait juger. Je ne pouvais pas soulever mon bras. Et lorsqu'il a dit, tenez-vous debout, mon cœur s'est coupé. Et je me suis levée. Je ne pouvais pas tenir, me suis assise. Jésus. Et pendant la prière, je sens que quand je faisais doucement, tout d'un coup, j'ai commencé à faire avec force. La douleur avait disparu. Je veux dire merci au Seigneur pour cette guérison qu'il m'a accordée. Que son nom soit béni. Amen. Offrande d'acclamation, Jésus-Christ guéri. Jesus Christ. Suivant. Gloire à Dieu. Je m'appelle Kwasi Vitorine. On faisait des essais pour se passer meilleur Roger. Hier, quand je devais venir, c'est mon cœur qui me fait mal. Pour ôter même ses problèmes. Quand le passé a commencé à parler, à prier, je vois que mon cœur a commencé à faire du jusqu'à quand j'ai commencé à ôter. Je vais dire merci, Seigneur. Derrière mon pied, derrière mon fesse, comme ça, ça me fait mal. Quand il a commencé à prier, de mots de genoux, j'ai attrapé. J'ai vite délivrance. Je vais dire merci, Seigneur, pour tout ce qu'il a fait pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Moi, je suis la sœur Kwasi Marie Agnès. Mon disciple, mon pasteur, c'est IEB Eric. Quand, au moment qu'il était à Biano, on venait, il ne me sentait pas bien, en tout cas. Tous mes deux jambes me faisaient mal, je ne pouvais pas marcher, même mes genoux, je ne pouvais pas prier. Mais quand on est arrivé ici hier, j'ai eu une douleur au dos. Je ne me sentais pas bien, mais je ne pouvais pas m'asseoir même pour faire quelque chose. Matin aussi, c'était la même chose. Mais le soir, on a commencé à prier. Je sens que tout mon corps, même la douleur a disparu. Donc, acclamation, la douleur a disparu. Elle rend grâce à Dieu. Elle lui dit merci. Alléluia. Moi, c'est le frère Baudou, Osana Maxime Isaac. J'avais pour faire des disciples, Papa Dieu Séraphin. Bon, depuis un certain moment, depuis 2018, moi je joue au foot. Et lors d'un match au quartier, j'ai eu mal à la cheville. Même avant de venir, les semaines qu'on suivit, j'ai eu très mal. Donc, le premier jour, Papa était dépouillé, j'ai senti le mal qui est remonté vers la cuisse. Jusqu'à un moment, et maintenant, ça s'est arrêté. Je pense que je suis guéri au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je veux rendre ce témoignage. Suivant. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Inès Nana. Mon frère disciple, c'est le pasteur Boniface Meunier. Je veux dire merci au Seigneur qui, pendant la prière, m'a délivré d'une migraine. Et je ne voulais pas me lever, mais comme le pasteur Meunier a insisté, il a dit au Seigneur, s'il insiste sur la migraine, c'est que tu m'as guéri. Et il a insisté. Et je me suis levée. Vraiment, quand on priait, la douleur du côté gauche a disparu. Que l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur. Amen.
Gloire à Dieu. Moi, je suis la sœur Kogou Adja Lissette. Je voulais dire merci à Dieu parce qu'il m'a guéri. Il faut dire que quand on venait, depuis samedi, il y avait un mollet me faisait mal. C'était enflé. Souvent, les femmes me demandaient, tu as quoi? J'ai dit, mon pied me fait mal. Et hier même, j'ai senti que le douleur était parti. Je voulais dire merci à Dieu parce qu'il m'a guéri. Acclamation. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Sokoto Rosange Carole Nelly et j'ai professeur de disciples, maman Yao Louise. Amen. Moi, tout à l'heure, j'ai senti qu'il y avait une boule qui était en train d'être extirpée au niveau de mon bas-ventre. Amen. Amen. Acclamation. Clap of fame. Oui, vas-y. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Allo Anne-Cetia Gladys, disciple de Yapo Franck Evin, Azopé. Je veux être reconnaissante à notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut dire que hier, le samedi, quand j'étais arrivée, j'avais migraine, ma tête me faisait mal. Et hier, j'ai prié, mais le mal était toujours là. Et aujourd'hui, quand Papa Méné a dit que tous les esprits de maladie sortent, il faut dire quand il a parlé de ulcère, je suis tombée. Parce que Hussein me fatiguait beaucoup. Et quand je suis tombée, les frères sont venus me soulever là-bas. Et quand les frères priaient, il faut dire que ma tête me faisait mal. Ma tête me faisait mal. Et les frères ont parlé de la colère. C'est la colère vraiment qui était derrière tout ça. Donc je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré du migraine et de la colère. Et du ciel, que l'honneur et l'élévation sera à lui au nom de Jésus-Christ. Amen. Suivant. Okay. Next. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Sano Fatoumata. Hier, quand nous étions en train de faire la repentance, lorsque j'ai fini ma repentance, j'ai senti que j'étais délivrée de tous ces péchés que j'ai commis auparavant. Et hier, après le baptême, lorsque nous étions en train de faire le baptême même, j'ai inspiré l'eau, malgré que j'ai bouché mes narines et ma bouche. J'ai inspiré l'eau. Est-ce et l'eau est rentrée dans mes oreilles. L'eau est rentrée dans mes oreilles. Et dans ma gorge. Donc ça faisait que j'avais mal à l'oreille et à la gorge. Et après ça, lorsque je suis arrivée ici, au moment où le pasteur priait pour briser toutes sortes de maladies, où il a dit que mets la main où tu as mal. Lorsque j'ai mis ma main sur mon oreille et ma gorge, le mal a disparu. Et aussi, guéri, merci. Quand je rends grâce au Seigneur Jésus et je lui dis merci. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis, nous protégeons toutes les guérisons dans le sang de Jésus. We protect all the healings in the blood of Jesus. Tu dois croire. You must believe. L'un des principes de la foi chrétienne. One of the principles of the Christian faith. C'est que si tu demandes quelque chose. Is that if you ask something. Crois que tu l'as reçu. Believe that you have received it. C'est un principe fondamental. That is a fundamental principle. Si tu crois, if you believe, en demandant, while asking, mais tu ne reçois pas par la foi, but you do not receive by faith, tu as tout gâté. You have spoiled everything. Ça veut dire que tu es guéri déjà. It means that you are already healed. Tu vas en rentrant, même certains vont découvrir que mais ils sont guéris, ils ne savaient pas. On their way back, some would realize that they were already healed and they did not know. Ton devoir, c'est de croire que tu as déjà ça. Your responsibility is to believe that you already have et that. Tu verras la chose accomplie. You will see that thing being accomplished. C'est avec ces paroles-là que je vous bénis ce soir. It's with these words that I bless you tonight. Que personne ne t'arrache ce que Dieu t'a donné. Let no one snatch from you that which God has given you. Et toutes les guérisons cachées dans le sang de Jésus. And all the healings hidden in the blood of Jesus. Offrande d'acclamation à Jésus. Clap offering to Jesus.